Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du paradoxe d'Easterlin. Donc, le paradoxe d'Easterlin, c'est le résultat d'une étude de grande ampleur effectuée par Easterlin. Easterlin, c'est un économiste qui est né en 1927 aux États-Unis. Et donc, il a mené une étude de grande ampleur pour savoir, pour résumer en fait le paradoxe d'Easterlin et le paradoxe et les résultats de son étude en fait par est-ce que l'argent fait le bonheur? Voilà. Donc, c'est ce dont on va parler dans la vidéo. Allez, c'est parti. Alors on est souvent habitué à ce lieu commun comme quoi les riches seraient toujours plus heureux. D'ailleurs eux-mêmes se déclarent souvent plus heureux que les autres. Hein. Mais en fait on va s'apercevoir que c'est pas si simple. Parce que eh bien si effectivement quand on interroge sur le bonheur les riches, souvent plus ils sont riches et plus ils se déclarent comme étant des personnes heureuses. Mais on s'aperçoit que dans le temps, en fait, c'est-à-dire que, eh bien, on voit par exemple aux États-Unis que sur 3 décennies, le PIB a augmenté et la richesse moyenne des gens s'est élevée assez grandement, notamment après les années 60. Et on voit que le bonheur n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Pareil d'un endroit à un autre. On voit par exemple si effectivement les personnes habitant aux États-Unis sont souvent plus heureuses que les personnes habitant en Somalie. On se rend compte que c'est pas si simple. Il y a des pays avec un PIB plus bas que celui des États-Unis qui se sentent des citoyens plus heureux que les citoyens, enfin en tout cas en moyenne, qui se sentent en moyenne des citoyens plus heureux que la moyenne des citoyens américains. Et c'est ceci qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin. Et donc c'est un paradoxe qu'avait observé l'économiste Easterlin en 1974. Et donc avec cette étude, il montre que le revenu de 60% des Américains a augmenté alors attendez, je regarde, entre 1946 et 1970, alors que le bonheur n'a absolument pas augmenté dans les mêmes proportions. En plus, comme je vous l'ai dit, eh bien, il montre que dans les pays où le PIB est moins important, eh bien, le nombre de personnes, le pourcentage de personnes se sentant heureuses n'est pas forcément plus faible. Alors forcément, eh bien, cette constatation, ce paradoxe, nous fait nous interroger sur qu'est-ce que le bonheur? Et quel est son rapport à la richesse? Voilà, et qu'est-ce qui peut expliquer tout ou partie ce paradoxe? Alors qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe et qu'est-ce qui peut nous aider à le comprendre? Déjà, dans un premier temps, Easterlin émet la possibilité que, effectivement, plus on a des revenus et plus on est heureux, c'est-à-dire que plus on a d'argent et plus on est heureux, mais jusqu'à un certain seuil seulement. Au bout d'un moment, en fait, on peut augmenter le revenu mensuel ou annuel, peu importe comment on a envie de compter. En tout cas, le bonheur n'augmente dans un premier temps plus dans les mêmes proportions qu'au tout début. Quand vous passez de la famine à vous manger tous les jours, forcément, vous vous sentez plus heureux. Mais à partir d'un certain seuil, eh bien, arrive un moment où augmenter votre salaire n'augmente plus votre bonheur. Et ce qui est intéressant du coup, c'est de savoir qu'en est-il de seuil, à partir de combien c'est. Donc là, j'ai le chiffre, en fait, j'ai une étude de. Donc c'est un sondage qui a été effectué par Daniel Kahneman et Angus Deaton de l'université de Princeton aux États-Unis. Et donc l'étude porte sur 450 000 Américains. Et donc, selon les études statistiques qu'ils ont faites, on peut voir que jusqu'à 75 000 dollars par an, donc ça fait environ 55 000 euros, hein, jusqu'à 75 000 dollars par an et par ménage, eh bien, le bonheur augmente. Au-delà de ce seuil-là, eh bien, le bonheur plafonne. On peut donc bien dire que si l'argent est indispensable à la vie et à une bonne vie heureuse, eh bien, l'argent intrinsèquement ne fait pas le bonheur. Donc Easterlin, pour revenir à lui, met en lumière que bien l'argent n'est qu'un facteur en fait pour être heureux. Il y a plein d'autres facteurs tout aussi importants comme la religion, la culture, le climat, la famille, enfin voilà, tout un tas d'autres paramètres qui contribuent d'une importance égale pardon, à l'argent dans cette alchimie du bonheur. Donc il y a également une deuxième théorie pour expliquer le paradoxe d'Easterlin, pour expliquer le fait que à partir d'un certain seuil, en fait, le bonheur n'augmente plus. Ce serait en fait cette deuxième explication, le simple fait qu'en fait on accorde plus de valeur à l'argent qu'on voudrait qu'à l'argent qu'on a. C'est-à-dire que voilà, on se dit si j'ai tant d'argent, si j'arrive à avoir autant d'argent, en fait je vais être heureux, donc du coup on se donne beaucoup de mal et puis. Voilà, beaucoup d'euphorie une fois qu'on y arrive pendant un court laps de temps, et puis au final, on se rend compte qu'on n'est pas plus heureux. Et puis il y a aussi le fait que quand on a plus d'argent, on peut être euphorique pendant quelques temps, mais au final, on va adapter notre niveau de vie à nos nouveaux revenus, puis au final, le seuil de bonheur qu'on avait avant, eh bien, se réinstalle dans cette nouvelle vie, et puis au final, ça n'augmente pas plus que ça. D'ailleurs, il y a des études de psychologues et d'économistes d'ailleurs, sur.
sur ce phénomène-là, en fait, sur les gagnants du loto qui, en principe, ont un certain niveau de bonheur, ils gagnent au loto, donc il y a un grand moment d'euphorie qui dure quelques mois, et puis au final, même s'ils ne gaspillent pas tout l'argent, et bien au final, voilà, ça finit par stagner, et puis avant de redescendre au même niveau où c'était avant qu'ils gagnent au loto. Et donc, du coup, par ce genre d'études et d'observations, on voit clairement que l'argent, à lui seul en tout cas, est insuffisant à expliquer le bonheur. Et puis il y a également une troisième théorie qui veut également que plus on a d'argent et plus on en veut dans un système consumériste. Parce que plus on a d'argent, plus on va avoir de besoins et d'envie. Et donc plus il va falloir satisfaire de besoins et d'envie, donc il va falloir encore plus d'argent, etc. etc. D'ailleurs, il y a une phrase qui résume assez bien ça, qu'Easterlin prononce. Alors je ne l'ai pas exactement en tête, je vais vous la lire. La course consumériste a laissé les gens haletants, éternellement insatisfaits. Ce qui explique très bien le paradoxe d'Easterlin également. Et puis, même si c'est pas une théorie complète, on peut également observer que le bonheur est également une notion relative. C'est-à-dire que vous allez avoir des riches qui vont pas être extrêmement heureux, mais qui vont vous dire, voilà, au vu de ma position dans le monde, ben voilà, je vais avoir du mal à vous dire que je suis malheureux, évidemment je suis heureux. Voilà, mais sauf qu'ils ne le ressentent pas réellement, voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement subjectif le bonheur également. Hein. Et puis on est aussi souvent heureux par rapport aux autres, c'est-à-dire que bah, si vous vivez entre riches dans un milieu de riches et que vous êtes celui qui gagne 100 000 euros de moins à l'année, bah, forcément vous vous sentez pas forcément très heureux, parce que vous êtes, voilà, vous êtes en fin de peloton. Alors que si vous êtes, vous vivez parmi des gens qui gagnent 15 000 euros l'année, forcément, si vous en gagnez 100 000, vous allez vous sentir plus heureux. Parce que malheureusement, les êtres humains sont souvent heureux aussi comparativement aux autres. C'est-à-dire que, voilà, on se compare beaucoup et que le bonheur, c'est aussi quelque chose qui dépend de la comparaison qu'on fait avec les autres et avec ceux qui sont dans notre micro-société, dans notre entourage proche. Voilà donc les grandes lignes pour commencer à comprendre le paradoxe d'Easterlin et puis pour savoir ce que c'est et puis pour comprendre que finalement, eh bien, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Comme on l'a vu, il faut de l'argent pour vivre, il faut de l'argent pour quand même subsister de manière agréable et confortable, mais à partir d'un certain seuil, augmenter de l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est vrai que dans notre société où voilà, des gens ultra riches ont un petit peu du mal avec la société de répartition des revenus et d'égalité, hein, d'un peu plus d'égalité, où on voit de nos jours et dans nos sociétés les inégalités se creuser de toutes parts, et ben je pense que c'est quand même important de rappeler que à partir d'un certain seuil, l'argent ne fait pas le bonheur et que même si des personnes sont très fortement imposées parce qu'ils ont des revenus ou une fortune énorme, ben, c'est pas forcément un drame et ça peut aider d'autres personnes à se sentir bien et à vivre un peu plus heureuses et ça peut du coup faire monter la moyenne de bonheur d'un pays. Et c'est pas rien parce que vivre avec des concitoyens qui sont heureux, eh bien, même si c'est pas quelque chose qui est quantifiable, hein, puisque souvent, voilà, dans nos sociétés, malheureusement, où l'argent fait presque tout et où on a besoin de valeurs marchandes, de valeurs comptables pour mesurer les choses ou de valeurs mathématiques pour mesurer les choses, bah, c'est vrai que le bonheur, voilà, comme on l'a vu, c'est quelque chose de subjectif et c'est pas forcément quelque chose, voilà, qui va être tout de suite palpable, quantifiable, voilà, par des statistiques ou des chiffres. Mais en tout cas, il me semble que quand on vit dans une société un petit peu plus égalitaire, où chacun de vos concitoyens sont quand même plus heureux qu'ils le sont actuellement, je pense que même quand on a une grosse fortune et qu'on est très très riche, je pense qu'on peut être d'accord avec ça. Et je pense que bah voilà, ça peut aller dans le sens de la société du partage plutôt que des inégalités qui se creusent et des riches qui gardent leurs milliards de côté sur leur compte et qui refusent en plus de payer l'impôt. On voit clairement que ça ne les rendra pas plus heureux. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu, ça m'aidera à monter dans le moteur de recommandation YouTube. Je te laisse également t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao !